1616 à 1618, parce que le seigneur de Florence, comme Médicis, avait annoncé un voyage à Milan. Et à l'occasion de ce voyage, il aurait fait une étape, une halte, ici à Parme, vu qu'il y avait un accord qui prévoyait que sa fille Marguerite devait se marier avec le fils du duc Odoardo Farnèse. Et ce théâtre donc, a une fonction culturelle et politique à la fois. Imaginez, les Médicis, famille non noble, mais depuis longtemps devenue duc grâce à Charles Quint. De l'autre côté, les Farnèse, aussi famille ducale, mais plus jeune par rapport aux Médicis, qui cherchent à être acceptés par les circuits sociopolitiques de l'époque à travers des mariages, des alliances. Donc ce théâtre est l'une des manières de se présenter de la part de la famille.